bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et ça y est, je viens de rentrer de vacances, j'ai passé des semaines incroyables à l'autre bout du monde, je vais d'ailleurs pas vous mentir mais vous m'avez manqué. Alors évidemment en parallèle j'avais déjà alimenté la chaîne avec du Portal 2 et la suite de Beyond Two Souls que j'avais enregistré, mais jouer me manque et vous retrouver, discuter avec vous en direct m'avait aussi énormément manqué. Donc je me suis ravitaillé, tout simplement ravitaillé d'énergie en vacances et on est reparti de plus belle. Voilà pourquoi on se retrouve pour une toute nouvelle aventure. Beaucoup évidemment l'ont deviné, nous sommes sur l'aventure exotique d'Uncharted, de Lost Legacy qui est sortie il y a deux jours. Voilà, ça serait que moi, cette vidéo serait sortie il y a deux jours, mais bon, j'étais pas là, tout simplement, j'étais pas là, vous l'aurez compris. Avec ce début de vidéo, comme à chaque début d'aventure, je vous propose évidemment de mettre un j'aime pour montrer qu'on est là, que vous êtes puissants, toujours prêts à suivre jusqu'au bout nos aventures, même à l'autre bout du monde, hein, d'où le projet, d'où l'aventure exotique, parce que on va prendre de l'exotisme plein la gueule, hein, c'est le cas de le dire les gars. Et nous sommes partis pour l'épisode 1 d'Uncharted de Lost Legacy. Comme d'habitude, je vous propose tout simplement d'éteindre vos lumières, de fermer vos volets, de mettre un casque et des écouteurs pour être toujours plus en immersion dedans. Et on va se mettre en mode normal, tout simplement. Alors, c'est pas vraiment la suite d'Uncharted 4, c'est une aventure un petit peu perdue qui nous est contée là. À la base, ça devait être qu'un simple DLC, et finalement, il est tellement complet, tellement, entre guillemets, plus long que prévu, que c'est devenu un spin-off, c'est-à-dire un jeu à part entière, hein, que vous pouvez acheter sans avoir fait Uncharted 4 et le faire en parallèle avec moi durant notre aventure. Alors visée automatique, non, hein, on n'est pas non plus, ça va. Assistance caméra, non, assistance caméra véhicule. Écoutez, moi j'ai pas besoin d'assistance, moi je suis pas assisté les gars. On va vivre une aventure encore une fois tous ensemble, une aventure exotique. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le like et bien sûr un petit commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez aussi passé de bonnes vacances. C'est parti. Et bienvenue dans la nouvelle aventure exotique. Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh! Encore toi? C'est ta boutique? Non, c'est à mon père. Combien? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies. Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein? Non, il était volontaire. Vraiment? Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus Ganesh. Ah, t'es sûre? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Il a l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde la monnaie. Hé,
Il te faut un guide. Et ça me coûtera combien? Quel plaisir, les amis, de retourner, de replonger dans Uncharted, cet univers que j'ai trouvé franchement très très bon. Et très très beau aussi, bien évidemment, étant donné qu'on peut le dire, on a vu clairement du paysage dans Uncharted 4. Alors, bougez pas, j'aimerais quand même remettre les sous-titres. Alors, attendez, parce que là, je suis totalement bourré. Ah, les sous-titres étaient désactivés, alors que pourtant, vous l'avez vu tout à l'heure, en début de vidéo, tout était en français, donc c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai activé les sous-titres, je suis désolé si cette première cinématique... Vous n'avez pas eu les sous-titres, mais au moins ça vous force à vous plonger dedans avec des écouteurs. Et nous à regarder en pleine nuit. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, je peux prendre une photo. Dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton ganache, tu en veux combien, dis-moi? Il est pas à vendre. La photo a été enregistrée sur votre téléphone et je peux consulter le téléphone pardon, en appuyant sur mon pavé tactile. Ok, très bien. Donc on trace, les gars. Faut que je monte dans ce camion. Ah d'accord, vous me faites un mini labyrinthe. D'accord, carrément. Je peux passer là ou pas? Regardez un petit peu la texture des cheveux. Voilà, je tenais à vous dire, c'est magnifique. C'est de la haute qualité, de la haute couture. Ok, je ne peux pas passer par là de toute évidence. Alors les gars, je pense qu'il va falloir que je traverse la foule. Ouais, il fallait que je traverse la foule, c'était par ici. Donc, oh, hey, oh, c'est elle qui m'a poussé. Quoi? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon ganache, s'il te plaît. D'accord. Oh! Bien tenté, jeune fille. À quel moment elle me la péta? Bien joué, elle! Elle a appris des techniques ancestrales au cours de ses 30 dernières années. J'ai ramassé un trésor. Hein. J'ai ramassé mon propre trésor, d'ailleurs, il faut le dire. Ok, donc c'est parti, on va passer par là-haut. Pour l'instant, je ne peux pas courir. On va voir ici. Je pense qu'elle va essayer de me le repéta une fois. A mon avis, la prochaine fois, elle va me toucher, elle va essayer de me le repéter, c'est quasi sûr. On va passer par ici. Ah, peut-être par ici, non? Attendez, parce qu'il faut que je monte dans ce camion. Donc je pense que là-haut, il y a peut-être des chances de trouver un trésor incroyable. Pas du tout, pas du tout. Écoutez, j'ai essayé, les gars. Hein. Autant se promener, on est dans un petit marché. Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont, c'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord? Ok. Bien. Merde! Fais chier! Monsieur! Attends. Monsieur! Non! C'est mon papa! On mangeait une glace et je l'ai perdu! Je peux pas rentrer sans lui! Oui, alors je voulais vous dire, je sais pas exactement sur la ligne temporelle à quel moment se passe cette aventure, je suppose. Il avait disparu! Qu'elle se passe en parallèle dans Uncharted 4, tout simplement. Mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc wait and see, on verra bien, peut-être juste avant. En tout cas, elle m'a bien aidé. Merci à elle. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. On apporte juste des provisions. Ta gueule ! Les pauvres gars. Ok. Une porte rouge. Ok, faut ça. Donc que je trouve la porte rouge. À savoir que Nathan Drake, lui, avait un livre. L'insurrection. Ok, chapitre 1. Voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas lu le nom du chapitre, tu vois, qu'il apparaissait avec style. Ah bah les gars, ça fait plaisir, écoutez, ça fait plaisir. Et ça fait longtemps aussi que j'ai juste pas joué aux jeux vidéo. Donc les gars, si je commence à partir en couille avec la caméra, veuillez m'excuser. On va pas faire l'américain, les gars, ça fait 2 semaines. Mais quand même, les gars, en deux semaines, tu fais beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses, ok. Regardez un petit peu quand même le degré de détail, c'est toujours aussi impressionnant. J'ai tellement hâte que The Last of Us 2 sorte.
Parce que bah déjà c'est Naughty Dog, hein, le même studio de développement. Oh, on va essayer de passer par là quand même, attendez. S'il y a un petit trésor ou une petite connerie. Non seulement c'est le même studio de développement, c'est les mêmes personnes qui s'en occupent, mais en plus, regardez The Last of Us, pardon, 1 était magnifique. J'ai fait tout le tour, voilà, c'était un véritable plaisir. The Last of Us 1 était magnifique, alors le 2, imaginez le 2 avec en plus ce Uncharted 4 et ce The Lost Legacy qui est sorti entre temps. Ils ont la technique, les mecs, ils ont la technique, c'est des machines de guerre. Naughty Dog, si je pouvais vous baiser comme en 1730, je le ferais. Parce que vous êtes magique. Pourquoi vous partez comme ça? Qu'est-ce qu'il faut encore là? Fuyez pendant qu'il est encore là. Allez, allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Oh, lui, il va prendre ce qu'il mérite. Ok. Wow! Allez! J'ai rien fait! Regardez du tout. Un peu la beauté c'est du jeu. C'est impressionnant. Non! L'affaire. Ok, c'est donc les rebelles, ils vont pas me laisser partir. Sans le camion! Okay. Je le jure, je t'ai dit de monter tout de suite. Oh, putain, le bordel. Je crois que j'ai pas le choix. Oui, chef. Toi, ok. Avec moi. On va passer par ici. Peut-être en montant là-haut. Hein. Je pense qu'il faut monter là-haut. Pour trouver cette putain de porte. Je doute qu'elle soit là-haut. Enfin, par là plutôt. Ouais. Quoique, attendez. Il y en a un qui se fait violer hein, derrière, les gars. Aucun putain de problème. Je pense qu'il faut monter là-dessus. Puis aller de toi en toi, on va voir ça tout de suite. J'ai peut-être totalement tort. Peut-être totalement tort, ok, donc c'est pas là-dessus qu'il faut monter. Faut monter là-dessus, mais c'est quoi ce truc ridicule? 300 chevaux ça? 300 chevaux, 3 chevaux, pardon. C'est la 3008 à Gigi là, les gars? Ok. Peut-être par ici, non? Peut-être passer tout simplement, attendez. Hé, hey, doucement! Où est l'urgence? Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève les bras. Hé! Hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hé! Hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui! Je t'ai demandé où t'habitais. Arafta. Quoi, putain, je suis occupé. Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle, laisse-la passer. T'as entendu? File. Oh, le coup de pression qu'il a subi. Non, le chef, il rigole zéro, hein, Asav. Hein. Il rigole zéro. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. Ok, on va passer par ici. Peut-être... Attendez. Je sais pas. Non, il est toujours pas là. Pourquoi vous vous abritez maintenant? Qu'est-ce que tu faisais dehors à la base? Ok, on a la porte. C'est bon. On a la porte. Qu'est-ce qu'ils font de... Les gars, je sais pas. Mec, tu sors en bas de chez toi. T'as des gars avec des AK-47. T'es là, on va pas dire. Ouais, je vais sortir un peu prendre l'air, tu vois. Non, tu restes chez toi, tu fermes ta gueule. Enfin, c'est le projet. C'est le projet quand. Quand t'es dans la merde comme ça. Ils se mettent tous à rentrer d'un coup. On dirait que je leur fais plus peur que les mecs équipés d'armes. Même les rats, regardez! Ah, par contre, il m'a dit peut-être par où passer, effectivement. On est bientôt à la porte. Hein. Pas aller à gauche. Je peux passer par ici, je pense, à mon avis, regardez. Pas du tout. Putain, ils m'ont feinté de ouf! Peinture blanche et tout, il y avait tous les signes! C'est tous les signes étaient présents. Je fume pas. Toi, tu me sers à rien. J'en veux pas si je peux pas. Je vais lui mettre ce qu'il mérite, hein. Allez. Ce que j'adore dans les jeux comme ça, c'est qu'en une patate, tu peux... Tu peux assommer n'importe qui. Imagine si à la boxe, c'était pareil. Les combats seraient très rapides. Hein, bah c'est forcément au premier qui te met une patate, mais Ok, on va passer par ici. Je sais pas pourquoi je crie depuis tout à l'heure. Mais en même temps, faut savoir que j'ai un casque aussi. Hein. Si je vous dis de m'écouter avec un casque ou des écouteurs, c'est parce que je profite moi-même du son. C'est une délectation d'ailleurs. Ok. Ok, je vois personne, je ne sais pas pourquoi je m'abrite. Plutôt par ici. J'ai le sommeil. Ok, comment je peux faire? Dormir dans le camion. Non, merci.
Comment je peux faire ou pas? Presque. Il en reste encore deux dans l'allée. Pardon? On bouge ce soir? J'ai hâte. J'en peux plus de ces gens. Non. À Savadi, une semaine. Encore une semaine dans ce putain de trois rats. N'oublie pas l'objectif. Ok. T'as toujours la bouteille d'arak à la noix. Oula, 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 attendez, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ok. Ma gratitude éternelle. Ça va pas suffire. Merde. Ici, à dénicher la bouteille d'arak. Au bout de la rue, là-bas. Ce type en avait toute une collection. Quoi qu'il en reste? Putain, c'est pas évident. J'ai pris que deux bouteilles. Ok. Aucun souci. On a évité les ennuis. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, rooftop, c'est sur le toit. Normalement. T'as envie de dire n'importe quoi? C'est magnifique. Les gars, les détails. Putain. Étant donné que, bon, évidemment, je vous fournis toujours de la qualité, mettez en 1080-60fps obligatoirement. Même si vous avez une co de merde et que vous devez attendre 3 heures pour que votre vidéo charge, c'est pas mon problème, je m'en bats les couilles. Tu n'as pas le choix. On a fait le bon choix, camarade. Ok. Donc je passe là-haut, hein, vous l'aurez compris. On va s'abriter par ici. Je suis juste derrière deux gardes au minima. Au minima, voilà. Je tenais à caser ce mot dans cette vidéo, je m'étais mis des concepts et des principes en début de vidéo. C'était de caser des nouveaux mots à chaque fois. Ah bah on a grandi son dico hein les gars. Hein. Ok, on va peut-être y aller doucement parce que, étant donné que j'étais derrière la trace de deux gars, voilà, il le dit en plus. C'est fou dans les jeux comme ils répètent quoi. Ça me dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Le gouvernement nous prend pas au sérieux. Ça va plus durer très longtemps. Je sais pas où je cours mais je cours. Ok. Attendez, je crois qu'il arrive. On voit la lampe. Oh là là là, je trépigne d'impatience pour The Last of Us 2, vous n'imaginez pas. Évidemment, me demandez pas si je vais faire l'aventure, les gars. The Last of Us 1, j'étais là, oui ou non? Et ben le 2, je serai là. Lui, je vais l'arracher. Hein. Lui, il va prendre ce qu'il mérite. Hein. Sa petite barbe, enfin sa petite stache mou. Okay. Lui, il va prendre ce qu'il mérite aussi. Des semaines. Allez, ferme-la. Et là, tu nous racontes ta vie. Ok, on y est déjà. On est déjà sur le toit. Ah bah les gars, le boulot, il est efficace. Hein. C'est bon. Ok. Ah. Ah oui. Oh. C'est magnifique. C'est pas vrai. C'est l'Indienne fait pas les choses à moitié. Alors évidemment, c'est entre guillemets, c'est que, comme elle dit au début, c'est merci non merci. C'est-à-dire que c'est un décor sans être un décor dans le sens où on peut pas y accéder. Mais c'est des backgrounds, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Naughty Dog à la maîtrise, les gars. Naughty Dog à la patte. Clairement. D'ailleurs, je crois que c'est une patte en plus. Il me semble leur logo, une patte de chien. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Bah oui, Naughty Dog, voilà, qu'est-ce qu'on rigole. Ok, qu'est-ce qu'on s'amuse tous ensemble. On va passer par ici, on va voir s'il n'y a pas un petit trésor. Et puis s'il n'y en a pas, eh ben c'est pas grave. Non, il y a du monde. Ok, j'ai rien à faire là-haut, j'ai rien à faire là-haut. Je pensais voir un petit trésor, mais pas du tout. Ah, le petit poteau qui bloque, ça fait plaisir. On va passer par ici. Et je suppose qu'on va devoir suivre les toits par l'échelle. C'est parti. Ah, le Pink Lotus. J'imaginais autre chose. Ah, sans doute une boîte de nuit ou une maison close. On dit qu'il y a au moins deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel? Ok. On est parti. Oh, je prends ce que je mérite. Hein. Oh. Oh, je crois que le mec a mis une patate à son pote derrière, non?
Attendez, là je prends ce que je mérite. Allez. Oh putain. Ah, ah bah les gars, je prends cher hein. Allez. Ok. Bon. Oh. Merci à toi. Ravie de te voir aussi. Oh Nadine. Ok, c'est parti, on va soulever comme Jaja. Ah putain, Nadine, trop bien. Ok. Hop, c'en est fini de toi. Oh là là, il a mérité, hein. À quoi tu joues à la fin? Je te croyais professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On ? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides ? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. Chapitre 2, infiltration. Et ben vous savez quoi, on voit ça dans la prochaine vidéo. Et oui, l'épisode, par contre là je vais réenchaîner les vidéos, donc il va sortir très très bientôt. En tout cas c'est un véritable plaisir de replonger dedans. Et je savais pas, ou j'avais oublié en tout cas, que Nadine et Chloé se connaissaient plutôt bien et avaient vécu une aventure ensemble. Donc ça me donne envie hein, de replonger un petit peu dans le Uncharted 4, histoire de revoir un petit peu leur lien eux deux. Je vous fais des bisous, j'espère que cet épisode 1 vous a plu, évidemment. On en a pris plein les yeux, on va encore être émoustillé quelques épisodes, et après, on pourra vivre une aventure totalement incroyable, vous et moi. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À bientôt tout le monde, portez-vous bien, ciao, ciao.